Sarah computers now have primary control of critical vehicle functions.
ce gros coup de pression que je viens de prendre là. Il y a McCall qui vient de... Merci René. Salut Boulon, salut Léa. Il y a McCall qui vient de balancer sur Twitter le lien parce que... Pression quoi. Je suis en train d'être diffusé dans un Fab Lab Carnum, alors je connais pas celui-là, Carrefour numérique de la Cité des Sciences. Ah merde, c'est, ça veut dire il faut que je sois poli. Ça veut dire je peux pas déjà t'as vu c'est, j'ai join le live, j'ai même pas pris mon petit verre d'eau avant de démarrer, tu vois. Eh ben bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir, ça me fait spécialement plaisir de vous voir aujourd'hui. Non, je vais jamais devenir institutionnel. Poli et sans mensonge, exactement Léa. Et c'est moi. Ah, il n'y a pas de son sur la grosse télé, ah bon, ça va, alors je peux dire n'importe quoi, c'est bon. C'est bon. Salut pouvoir du nain. Bonjour à tous, désolé, j'ai dû m'éclipser en route samedi dernier. T'inquiète. Alors, par rapport à samedi dernier, bougez pas. Pas de mon device spécial. Alors voilà. Ça. Attendez, hein, je prépare un truc. Hop, voilà, comme ça. Ah, effacer la mémoire. Ok. Alors, vous regardez tous le petit appareil. Voilà. Vous regardez tous la petite pareille. Hop, il n'y a pas eu d'épisode 21 samedi dernier. Hop. Et voilà. Bonjour à tous pour l'épisode 21 de C'est From Scratch. Alors, vous avez bien aimé l'épisode 20, hein? C'était sympa. Alors, salut Hazel, diffuse de l'ASM et meute au Fab Lab. Salut, tu veux voir mon geek, ma cool. Où suis-je? Qui suis-je? Non mais attendez, non mais tout. Alors, hey, vous inquiétez pas, j'ai juste. non, vous inquiétez pas, tout va bien. Tu veux voir mon geek subscribe à Tier 1 pour le 8e mois consécutif. C'est absolument de la grosse balle. Non mais vous inquiétez pas, Rick qui dit oui c'était bien le 20, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris les pointeurs. Tu peux pas revenir sur le sujet avec de l'assembleur? Eh ben écoute, alors Tréguy, ça tombe très bien, ça tombe très justement j'avais prévu pour l'épisode 21 d'aujourd'hui, donc le seul épisode 21 qui a jamais existé, de faire un petit rappel sur les pointeurs, justement d'où ils viennent, où ils prospèrent, comment ils naissent, sur les bords du petit CPU. Ils font... oh, puis hop, ils deviennent, tu vois, ils grandissent et tout. Et des adresses très très grandes. C'était tout à fait prévu. Ah merde, j'ai peut-être flashé un petit peu trop fort, Léa. Les pointeurs, tu sais. C'est quoi le dernier épisode dont tu te rappelles, Léa? J'ai peut-être flashé un peu fort. Qu'est-ce que tu dis, Boulon? Tu peux refaire ton flashouillage, ça n'a pas marché sur la météo. Ah non, bah alors... alors, moi, ça se passe pas trop mal. C'était un peu de la merde là, depuis quelques jours, mais là, c'est pas trop mal. Oui, vous savez, les pointeurs, on les trouve sur les rives du lac CPU. Hein, Léa qui dit, je me souviens, tu parlais du coup balibé. Et après, Zwip, ah merde. Alors Léa, je t'invite à regarder sur YouTube... les 253 épisodes précédents, tu devrais pouvoir les rattraper en moins de 3 ans. Je pense que il y avait Hazel qui m'a fait un petit commentaire comme ça sur YouTube. C'est bon, au pas où j'en suis, en 2036, je devrais avoir rattrapé mon retard. Donc c'est cool. Alors ceci dit, aujourd'hui, normalement, c'est un épisode qui se regarde. Sans besoin d'épisode précédent. Je pense que c'est un truc on peut le prendre tel quel, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Je pense qu'il n'y a pas besoin de
tous les exercices qu'on a fait auparavant, c'est mieux évidemment parce que il y a des trucs qui vont se, tu vois, qui vont se solidifier. Mais bon, ça reste un épisode si des gens qui ont manipulé un peu le C, mais qui ont des petits doutes et tout. Et ben, ça peut être un bon épisode. Voir du lien qui dit mince, moi qui avais révisé mes calling convention et paf l'épisode précédent. Il y a été l'épisode précédent, mais il y a le 20. Le 20. L'épisode précédent est le 20. Il faut que je vérifie un truc sur Twitch. ouais, on va. Alors, ça va être. Il va y avoir un peu d'ASM aujourd'hui. Là. En fait. Non, c'est pas un peu. Il va y avoir de l'ASM. Pas ouf. Pas ouf. Juste ce qu'il faut. Donc, stressez pas. Et ça va être. Je vais y aller. En fait, il y a Natacha tout à l'heure. Donc, Natacha qui est un membre du canal GCU depuis. Même plus exactement quand. Qui a tweeté un truc, qui a dit je me rends compte de la chance que j'ai eue non pour voir du nain par en M32 justement. Tu vas voir, ça va être là on grandit là on fait du 64 bits là maintenant. Elle dit je me rends pas compte de la chance que j'ai eue de faire de l'assembleur I386 avant de faire du C. Et effectivement, alors en fait, vous savez, j'ai beaucoup repensé. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi à l'épisode d'aujourd'hui, cette semaine. Vraiment, je l'ai retourné dans tous les sens. Je me suis dit, comment il faut que je présente les choses pour que ce soit clair. Et en fait, j'ai eu une montée de colère, j'ai eu une poussée de colère. Ah bah tiens, Tortampion 94 qui dit mes profs d'info nous avaient fait de la SM avant le C aussi. Mais en fait, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. Et alors justement, tiens, bah tu Artesian Dream qui dit idem à la fac. Bah ouais. Bah moi ça a pas été le cas. Il y a pas mal de gens pour qui ça a pas été le cas. Et c'est très regrettable. Et en fait, donc cette semaine j'ai eu une poussée de colère. En fait, je veux pas. Léa Jice, on a deux Léa maintenant. Une poussée de colère contre. En fait, pas des profs en particulier. Salut Talleyrand, Coquille est pas là. Elle est en train de planter des trucs, de faire des choses là dans son jardin. Hein. Moi, ça me dépasse. Ouais, donc en fait, je pense. Il y a aussi ce qu'a dit Léa, moi, qui m'a perturbé et qui a augmenté la colère par rapport à ça. En fait, je pense que, donc rappelez-moi, à l'école, ce qu'on vous dit, c'est passage par référence et passage par valeur. C'est ça, hein, c'est ça qu'on vous dit. Cookies in the garden, ouais, exactement. Et en fait, alors, je mets une culpabilité importante sur ces deux termes. Parce qu'en fait, ils veulent rien dire. Et surtout, ce que je pense, ratez-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi et si je m'énerve pour rien, mais... Je pense, oui Twan, mais il se trouve qu'ils disent aussi ça pour du C. Et en fait, je pense que, alors c'est du mensonge, ça c'est sûr. Et je pense que c'est une façon de masquer de l'incompétence en fait. De masquer la non-compréhension de comment les choses fonctionnent. Il y a un truc magique, ça s'appelle passage par référence. Oui, mais ça veut dire quoi, monsieur? Passage par référence, on passe de référence. Ça ne veut rien dire. Je sais même pas l'expliquer. Je saurais même pas expliquer ce que ça veut dire. Et en fait, je tire sur le fil. Je vais prendre un verre d'eau pour trinquer à la santé, avec de l'eau, du professeur Fonblu. Ok? C'est de l'eau. Hein. mes bouteilles d'eau, quand je les ouvre, elles font un bruit de bouteilles de gin, mais c'est pas du tout, c'est de l'eau.
Tu vois, hop. C'est le... Moi, je fais des digestifs à l'eau. Alors, regardez, c'est transparent, c'est de l'eau, c'est absolument de l'eau. J'aime bien boire l'eau dans des petits verres. Ça me permet de rater de façon rapide. Donc, professeur Fonblu, d'Antoine qui dit, c'est prof d'affaire que du Python, en fait. Non, mais je sais pas. Et attention, je veux pas stigmatiser l'ensemble des profs, parce que premièrement, vous avez vu, hein, y a plein de monde qui ont eu des formations de bonne qualité. Ensuite, on a un prof dans... Alors, je sais pas s'il est là à Rancune, qui nous suit. Et enfin, honnêtement, hein, j'aurais bien aimé avoir des profs comme ça. Qui aiment ce qu'ils font, qui vont au fond du truc. Enfin, j'ai perdu énormément de temps en fait en ayant des profs superficiels, je pense, comme pas mal de monde ici. Bah, Léa en particulier, quoi. Allez, à la tienne, professeur Fonblu. Ouais, c'est l'eau, elle est un peu forte. Elle a beaucoup de minéraux. L'eau est un pointeur sur le jeu. Je sais pas, non, pas du tout. Ok. On va attendre encore un petit peu, hein. Il est 15h12. Mais, alors Léa qui dit, bah tu sais, quand dans les cours, c'est toi qui donnes le cours et pas le prof, tu vois déjà le niveau du prof. Oui, bah oui, alors ça c'est une réalité. Après, je pense que c'est ces façons de présenter le fonctionnement d'un langage qui en... Alors en l'occurrence, moi je fais des mensonges rigolos. En tout cas, je pense. Mais ça, c'est un mensonge qui est dur. Parce que tu niques la... En fait, tu mens, mais littéralement, tu mens sur ce qui se passe. Tu mens sur ce que fait le langage, en fait. Et ça les dérange même pas. C'est des... À la fin, c'est un programme, hein, c'est des programmes. Enfin, des programmes, je parle d'école, quoi. Artisan Drink, il dit comme quand on parle du Père Noël aux enfants. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais c'est gentil. Alors que là, c'est Rogue One GG qui dit pour comprendre, il faut comprendre le fonctionnement d'un processeur, oui. Ou microcontrôleur, du coup, on comprend l'ASM et le C vraiment from scratch, exactement. Et c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais pas aller sur le fonctionnement du proc parce que là on irait un petit peu trop loin. Néanmoins, on va parler du CPU et on va effectivement regarder ce qui se passe en assembleur. Et vous allez voir que tout va devenir absolument limpide. Tout à fait limpide. Point qui dit, j'ai un manga devant moi, la couverture correspond parfaitement à mensonge. Vas-y, balance. Et Olive 3 subscribed également pour le 8e mois, mais c'est un truc de ouf. En plus, enfin voilà quoi, c'est Olive, c'est un père, quoi, tu vois, et il est là, il se sub et tout, et ah, c'est vraiment un kiff. Ça fait non, c'est bon, Artesia, t'as pas spoil, au contraire, non, c'est très bien de justement dire et de savoir que c'est ça en fait. C'est le endgame, c'est ça, c'est de comprendre. Que fait ton programme? Et c'est vrai pour le C, mais c'est vrai pour tout. Je veux dire, Python, c'est pas de la magie. Derrière, c'est du code et ça fait. Et quand on comprend bien ce qu'on fait et ce qui se passe derrière, et bah, je pense, en tout cas, on programme mieux, ou en tout cas, on a plus conscience de ce qu'on est en train de faire. Punchcraft qui dit pour apprendre comment fonctionne le processeur, je recommande cette chaîne-là. Ah bah tiens, il y a Punchcraft qui a balancé une chaîne YouTube là. J'en ai aussi des pas mal, faudra que je balance. Toine, c'est quoi que t'as balancé? C'est une image ou c'est un... Ah, c'est là. Ah oui, d'accord. Ouais, elle est très bonne. Alors j'espère qu'on verra. Faudra que je mette dans les commentaires de la vidéo YouTube les différents liens. Alors, il est 15h16 et je pense qu'il faut qu'on démarre maintenant. Parce qu'on a pas mal de choses à voir. Azel qui dit, ah tiens Emile, en passant, je kiffe le C, mais le seul C que je pratique vraiment, c'est Arduino Related. Alors je m'accroche à la stack, etc. Je suis curieux de mieux comprendre si ça s'applique qu'à de l'Intel sur un kernel, et ce qui est général au C et son compilo.
Ça, je pense que ça va être très très intéressant de mettre le nez là-dedans dans de futurs épisodes pour voir ce que. Parce que j'ai. Bah, pareil, hein, j'ai plusieurs architectures ici. Pour voir qu'est-ce que c'est un code. C'est non compilé, mais traduit en assembleur dans une architecture et puis dans une autre. Et creuser un petit peu les différences qui peuvent exister. Mais oui, c'est. De toute façon, on n'a pas fini. Hein. Enfin, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Là, je sais pas où on va. Là, pour le coup, alors si, je sais où on va à court ou moyen terme. Je vous l'ai dit. Hein, j'ai spoilé. Il y a deux numéros. Mais après, enfin, la limite, il y en a pas quoi. Enfin, effectivement, aller taper d'autres architectures, c'est typiquement un truc qui peut être très très rigolo à faire. Alors, Sonic Boom qui dit c'est quand qu'on rack une console rétro. Dis bonjour Sonic Boom. Je sais plus si je dis bonjour. Salut à toi. Je t'ai vu mais je sais plus si je dis bonjour. Alors, on va y aller. Premièrement, j'ai trouvé un... Alors, complètement au pif et alors genre ce matin. J'ai trouvé un site. Vous le passez là. Pareil, il faudra que je le mette dans les commentaires. Je vais mettre... Tac, c'est un hack AMD, donc je pense qu'il va falloir le sauvegarder si vous voulez pas que ça, enfin si vous voulez avoir le contenu qui dure plus que 3 semaines. C'est un site vraiment, c'est génial, c'est à peu près ce qu'on va faire aujourd'hui en fait. Je vous le montre. Alors, voilà. En fait, je cherchais ce schéma-là. Et lui, il l'a fait super bien. Donc, du coup, je vais m'appuyer sur son schéma. Vous savez, on en a parlé pas mal de fois. Et de toute façon, c'est, je pense, une connaissance générale que chaque informaticien, en tout cas, informaticien qui fait des vrais trucs, doit avoir. Un CPU, ça fonctionne avec des registres. Cases, mémoire très rapide parce que c'est la mémoire du CPU. Je vais prendre de l'autre eau, plusieurs bouteilles d'eau, petite et une grande. Ça c'est la grande. Elle a moins de minéraux. Celle-là c'est quand j'ai soif de H2O. Voilà. Donc vous le savez très probablement. Un CPU, un processeur Intel. Ah, tous les CPU sont composés de registres, mais le processeur Intel a un certain nombre de registres. Et fonction de l'architecture Intel sur laquelle on se trouve, les registres ont potentiellement un nom différent. Sur des architectures 32 bits, vous savez, jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé avec des architectures 32 bits, ou en tout cas avec on a compilé en 32 bits, pour des raisons de simplicité visuelle, quoi, pour voir les adresses courtes, etc., et que ça panique pas. Et en l'occurrence, en 32 bits, donc 4 bytes, hein, ça, là il faut être super à l'aise avec ça, hein. 4 bytes, c'est 32 bits, x 4, 32, simplement, hein, 8 bits, x 4, voilà. 4 bytes, c'est une architecture 32 bits, d'accord ? Et en architecture 32 bits, les registres les plus connus sont EAX, EBX, ETX, ESI, EDI, et puis là la stack, le stack pointer et le base pointer. D'accord ? Ça va jusqu'à présent ? Donc c'est des petites cases mémoire. Bah, vas-y la mouche là qui vient m'emmerder pendant mon live là. Allez, dégage. Tarzan, attaque la mouche. Donc, rien de... Là-dessus, il n'y a rien à comprendre de particulier. Hein, c'est des registres. Voilà. Cases qu'il y a dans le CPU et qui servent à faire des opérations au niveau CPU. D'accord ? En 32 bits, ces cases s'appellent comme ça. Avant le 32 bits, 2 bytes, donc 16 bits, on avait, au lieu de EAX, EBX, machin, on avait AX, BX, CX, DX. Et alors, le truc qui est rigolo, c'est que même en 32 bits, on peut quand même
appeler AX, BX, on arrive, enfin c'est la fameuse compatibilité ascendante, on peut quand même adresser des registres des ancêtres. D'accord ? C'est bon jusque-là ou pas ? Salut Alex Egosa ! Ah bah c'est cool que tu sois là aujourd'hui là. Tu vas peut-être ajouter des trucs qui pourraient être... Oui, eux je pense que c'est pour Extended, ouais. Donc ok. Donc... Il y a 2 millions d'années, sur architecture Intel, c'était comme ça. Tac, tac, tac. R, j'en sais rien en fait. C'est quoi le R ? Re-extended. Oh là là, super. Beaucoup plus. Non, je sais pas, le R, je sais pas. Et donc, sur architecture 64 bits, c'est plus EAX, c'est plus 32 bits, c'est 64. Okay, donc 8 bytes. Et là, au lieu de E, bah, c'est R. D'accord ? RAX. RBX, RCX, SDX, etc. D'accord ? Donc on a des registres qui ont des noms différents, mais, je le rappelle, comme en architecture 32 bits, on avait quand même, on peut quand même toujours restricted, ce serait bizarre d'appeler ça restricted, non ? Justement, on ne sait plus... Ah, le R veut dire register, parce qu'avant, c'était pas des registres. Attention, attention, hein. On va pas commencer à mélanger les pédales de tout le monde. Hein. Bon. Donc, en 32 bits, ça s'appelait comme ça. En 64 bits, ça s'appelle comme ça. Et en 64 bits, on peut quand même utiliser EAX, EBX, ECX, etc., etc. D'accord ? Ça marche aussi. Et d'ailleurs, le compilateur, quand il va générer du code assembleur, parfois, quand c'est des valeurs pas grandes, bah, il va potentiellement utiliser EAX au lieu de RAX. C'est plus petit, puis potentiellement il peut mettre plusieurs valeurs à la suite et ça permet d'optimiser d'être plus vite. Ça va jusqu'à présent ? C'est vraiment une petite intro de rien du tout. Hein. On va pas aller beaucoup plus loin que ça. C'est le CPU. Il a un certain nombre de registres. Ils sont nommés d'une certaine façon. Et ce sont ces registres qui, à la fin, sont manipulés. En tout cas, ceux qui sont utilisés, pas manipulés, sont utilisés pour réaliser des opérations. D'accord ? Oui, mon nom. Hop, voilà. Là, je vais... Est-ce qu'on passera à 128 bits ? Honnêtement, vu la quantité de data que 64 bits permet de d'adresser, ouais, probablement, mais à mon avis, pas tout de suite. Hein. Enfin, je pense que c'est pas pour tout de suite. Est-ce qu'on est bon, là ? Là, c'est vraiment juste une histoire de petite case mémoire dans le CPU et c'est ça qu'on utilise. Ah, la S400 utilise des 128 bits d'adresse. Putain. Ouais, ça. Non, mais les Agile, c'est ça. J'ai pas envie de dire qu'on va jamais utiliser parce que forcément, à un moment donné, il y aura plus assez d'adresses ou je sais pas quoi. Ou il y aura besoin. Il y a probablement des raisons pour lesquelles on va passer à 128 bits. Pouvoir du nain qui dit. Non, tu peux mettre plusieurs valeurs dans RAX et oui, il y a des registres jusqu'à 512 pour le SIMD. Je ne sais pas ce que c'est. Les extensions 512 ont peu fait parler d'elles récemment. Ont un peu fait parler d'elles d'ailleurs récemment. Ok. Donc, Single Instruction Multiple Data. Mais je ne connais pas. Je ne connaissais pas. Le finnois qui dit AAX c'était pour Extended en passant au 16 bits puis E pour Extended à 32 et après c'est oh c'est con qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on va dire pour R pour registre en 64 bits Intel quoi. Ouais c'est ça. Ok. Donc Frenchcraft qui dit tout ce qui est MMX, SSE, AVX, ok les extensions. Ok. Donc. Ça, vraiment, enfin, on va pas trop creuser ça maintenant. Je veux juste qu'on ait les outils de base, d'accord ? Donc voilà, on a des registres dans lesquels on peut mettre des datas. Aujourd'hui, en 64 bits, ça s'appelle comme ça. Et puis, dans l'architecture précédente, ça s'appelait comme ça. Et on peut utiliser, encore une fois, ces registres aujourd'hui. Enfin, ces noms aujourd'hui. Mais implicitement, ça veut dire qu'on manipule des données de 32 bits. Ok ? Bon, voilà, maintenant, ça c'est fait. Maintenant, on va toujours rester au niveau CPU. Et on va rapidement parler, ça
ça je vous le mets, c'est une toute petite doc sur l'architecture en 4 bits. Parce que il y a quelque chose qu'on va voir, et que si vous avez suivi les anciens C from scratch, les Linux from scratch, etc., je vous ai dit plein de fois que les paramètres qu'on passe aux fonctions sont empilés sur la stack. Vous vous rappelez de ça? Et ça, c'est vrai en 32 bits. Et c'est pas tout à fait vrai. Alors pourquoi? En 64 bits. En fait, en architecture 64 bits, les premiers paramètres qu'on passe aux fonctions sont stockés dans... Attendez, hop, voilà. Premier paramètre, il est où? Ah, il est là, voilà. Le premier, il est stocké dans RDI. Le deuxième est stocké dans RSI. Le troisième dans RDX, puis dans RCX, puis dans R8 et R9 qui sont d'autres registres. Et si jamais on a plus de 6 paramètres, généralement, c'est signe que le code est largement perfectible, et ben on recommence à caler sur la stack. D'accord ? En 64 bits, les paramètres qu'on passe aux fonctions. Ouais, c'est... Alors, en fait, il y a une question que je voulais poser, je ne l'ai pas posée, je ne savais pas trop où la poser d'ailleurs. Et peut-être que le finnois, tu sais. En fait, je trouve ça relativement naturel de placer les paramètres dans des registres simplement pour aller plus vite, quoi. Plutôt que les stacker en mémoire, machin, pour les déstacker dans la fonction, etc. Mais pourquoi, en fait, on n'a pas fait ça au début? Ça me paraît tout à fait... ça me paraît pourtant assez logique et naturel. Ah, attends, parce que vous avez parlé aussi, là. Hop, je reviens. Alors, Sonny Boom qui dit, du coup, les registres 16 bits servent juste à faire des shellcodes dans 0x00. French Raph, non, tu peux toujours utiliser les instructions sur les petits morceaux de registre, tout à fait. Y compris AL et AH, mais c'est moins courant. Tout à fait moins courant. Triggy dit bonjour. On écrit une ABI neuve à 0. Il faudrait que ce soit plus le bordel que la legacy. One qui dit peut-être pour la rétro-compatibilité. Alexia qui dit on n'a pas fait ça au début car c'était un processeur 16 bits avec très peu de registres. Bah après qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser je veux dire EAX attends je reviens. Enfin ces registres là EAX, EBX, CX, etc. Ça, bah, ils étaient déjà là tu vois. Et enfin tu vois finalement on utilise ces 6 là. Et puis quand on a utilisé ceci là, on déborde sur la stack. C'est le compilo qui décide comment passer les arguments. Bah écoute, regarde. Ici, a priori, le architecture guide, il est assez clair sur le fait que ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, in the assembly syntax, donc dans la syntaxe en assembleur acceptée par GCC, bon, ça c'est l'histoire des pourcents, machin. Et normalement, t'es supposé faire comme ça. T'es supposé passer tes paramètres dans cet ordre et en utilisant ces registres. Et effectivement, c'est le compilateur derrière qui va s'occuper de ça. Hein. Attends, les registres. Pour du nom, tu avais plusieurs conventions, certaines utilisaient des registres, mais le besoin d'interop a fait que c'était la stack. Faléon qui dit les registres c'est moins rapide que la RAM. Ah ben non! Carrément pas, non, justement, Faléon. Les registres, c'est beaucoup plus rapide que la RAM. C'est ce que je dis depuis le début. Les registres, c'est dans le CPU. Il n'y a rien de plus rapide que les registres. One, Punchraft, mieux que ça, tu peux mettre tout dans le CPU en mode compatibilité. Pour être indépendant de l'architecture, peut-être. Pour du nain en C, sur d'autres langages, c'est compilo dépendant, en C, par exemple. Sonic Boom qui répond, c'est plus rapide et plus cher, absolument.
Alexia qui dit, c'est comme ça qu'il faut faire, mais en réalité, tu définis ton fonctionnement, ton choix. Oui, oui, tout à fait. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est hardcodé, ça. Hein. C'est wired ou quoi que ce soit. C'est un document d'architecture. C'est-à-dire que tu dois faire comme ça. Enfin, tu es supposé faire comme ça. Le compilateur est supposé faire comme ça. Triggy dit Frenchcraft, oui, mais ça n'a rien avec la BI. La norme qui dit comment tu passes les paramètres, tu peux pas appeler une fonction 64 bits avec la BI 32 bits. Frenchcraft qui dit non, c'est toujours plus rapide, le registre étant dans la puce CPU alors que la RAM est dehors. Oui, voilà ça. C'est-à-dire que quand tu vas adresser ta stack, à la fin, tu vas passer par un bus. T'es pas au niveau du CPU, donc c'est forcément moins rapide. D'accord ? Comme dit Alexia, les registres c'est instantané. Donc, c'est. Moi, ouais, alors attends. MX Maxime qui dit d'ailleurs en Go, ils utilisent les registres depuis pas très longtemps, il me semble. Ah bon ? Ah bah putain, ça m'intéresse, ça, je vais regarder. Je pensais que c'était implicite maintenant et fin d'histoire, quoi. Vous voyez que c'est pas. On a l'impression que. Moi, ce que je trouve très frappant en creusant tous ces. Toutes ces infos, c'est que on a l'impression que tout est hyper cadré, clair, nomenclature, machin. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de zones de flottement et finalement, tu utilises le matos comme, un peu comme tu as envie, quoi. Alexia qui dit sur ARM, on utilise les registres CPU et pas la stack. OCB, carton blindé, j'aime bien ton nick. Il dit goulot d'étranglement, les bus. Bah oui. Ouais, complètement. Alors vous savez, moi j'avais souvent entendu « Ouais, il faut pas passer plus de 6 arguments et tout, c'est contre-performant et ça. » Et avant, je comprenais pas pourquoi. Bah, en fait, voilà pourquoi. Alors, attention, hein, pas non plus le truc qui va tuer les perfs, mais quand on est sur un programme qui doit envoyer de la patate, etc., bah, il faut quand même prendre ça en considération. Donc effectivement, et de toute façon, enfin, si vous avez une fonction Toto, avec argument 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, à un moment donné, je pense que vous avez probablement pas créé la structure qu'il fallait. D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, là ? Donc, c'est. Là, on est sur de la nomenclature, quoi. En 64 bits, on est supposé utiliser les registres suivants pour passer les paramètres aux fonctions. D'accord ? Ouais, alors Léa qui dit il a une petite pensée pour Java. Ouais. En fait, dites-vous, hein, tiens, Axe 114 qui dit sur ARM Cortex-M, c'est passé sur la stack quand tu as trop d'arguments. Bah pareil, c'est pareil sur là, tu vois, regarde. Là, en fait, c'est si tu dépasses, je sais plus s'il le dit ici. Je sais plus s'il le dit, mais si tu dépasses 6 arguments, bah tu dépasses sur la stack. Voilà. Pouvoir du nain qui dit sur RISC où tu avais 8000 registres, tu passais beaucoup par registre. Sur RISC 86, tu es sur un proc qui a évolué par rapport à l'accumulateur, tu passes sur la stack. C'est ça. Ok, donc là, il n'y a rien à comprendre de ouf. Hein. Là, c'est juste voilà, la norme. Et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce que on va écrire du petit code très simple qu'on va transformer en assembleur. Et en fait, par rapport à ce qu'on a vu auparavant, les dernières fois qu'on a fait ça, les paramètres, ils étaient stackés. Et là, en fait, en l'occurrence, ils vont pas être stackés, ils vont être passés sur un des registres. Si paramètres, c'est commun aux archis x86, c'est surtout ce qui est défini comme ce que tu devrais faire sur x86-64. D'accord ? C'est vraiment. Tu es supposé utiliser, encore une fois, RDI pour le premier argument des fonctions, RSI pour le second, RDX pour le troisième, RCX pour le quatrième, etc., etc. Et oui, effectivement. De toute façon, ces noms de registres sont absolument x86. Hein. Enfin, c'est pas les registres de d'ARM et d'autres architectures. Enfin, sauf erreur, ne s'appelle pas pareil. Hein. Ok, donc ça, c'est vraiment
le postulat de base, on va passer des paramètres en les plaçant. Alors nous, on va utiliser essentiellement un paramètre hein, dans nos petits exercices là. Donc en fait, on va essentiellement utiliser où es-tu ? J'arrive pas là. Voilà. On va essentiellement utiliser RDI. D'accord ? Et le D dans RDI, c'est destination. Ce cas-là, c'est bien. On pourrait utiliser autre chose. Hein. Triggy qui dit, en vrai, c'est plus compliqué. Par exemple, Turbo Pascal et donc Delphi utilisent une autre convention. Ouais, mais alors ouais. Car à la fin, tiens, le Finnois qui dit, ARM, c'est un peu moins foufou. R0, R12 et basta. Voilà, bah voilà, très bien. Donc ce que je dis, Triggy, c'est que à la fin, voilà, il y a une proposition d'implémentation. Après, voilà, s'il y a des gens qui veulent faire les malins et continuer à utiliser la stack ou utiliser les registres R11 ou machin, enfin, comme ils veulent, why not? Mais voilà, il y a une proposition d'utilisation et de normalisation. Je trouve ça pas mal, plutôt que ce soit le bordel, quoi. Est-ce que tout le monde est OK jusqu'à maintenant? Voir du nain qui dit R0 à R12, j'imagine tu voulais dire voilà, R0 à R12 pour risque. OK, bon. Donc voilà, ça il faut juste avoir ça à l'esprit, c'est rien de ouf, mais c'est un changement par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Donc j'enlève Firefox. Et on va écrire un petit bout de code. OCB Carton Linux, il y a, par les perfs, il y a une autre bonne raison d'utiliser des registres. Non, c'est vraiment, c'est vraiment la perf, quoi. C'est absolument la perf. T'as tout intérêt à vouloir passer tes arguments le plus rapidement possible plutôt que de mettre ça sur la stack, d'épiler, rempiler, etc. Non, c'est vraiment de la perf. Alors, je vous propose de faire un premier petit code extrêmement simple. Rogue One qui dit pour quel domaine on utilise plus de 6 paramètres. Ça me paraît beaucoup. Eh bien, écoute, imagine un programme écrit par quelqu'un de débutant, machin, qui connaît, n'est pas à l'aise avec les structures, par exemple, et il veut passer, je sais pas, un indice, une taille, en tout cas, plein de paramètres. Et puis, il se trouve que ces paramètres, ils pourraient se regrouper dans une structure, ce serait plus propre. Mais voilà, il n'est pas à l'aise, et puis il va te passer 10 arguments, quoi. Il y en a beaucoup, hein, des programmes comme ça, malheureusement. Perso, à part une erreur d'implémentation ou un cas particulier, je sais pas, où tu. Je sais pas, tu vois, par exemple, adresser des registres, je sais pas. Enfin, moi, j'essaye toujours de garder mon nombre de paramètres inférieur à 6. Donc, on va faire un tout petit code de rien du tout qu'on va appeler. Le int.c. Alors, on va faire une petite fonction que maintenant on a décidé d'appeler func. Func. Voilà. Tac. Et cette fonction, elle va prendre en paramètre un entier. Elle va absolument rien faire. Et juste pour montrer qu'est-ce qui se passe en fait. Et puis on fait notre fameux main qui ne va pas faire grand chose. Mais non, je vais jamais vous faire un void main les amis. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? D'ailleurs je vais toujours faire return 0. Ah. Je vais déclarer une variable i qui va valoir pour 18. Allez, juste pour voir si vous suivez là. Alors ceux qui savent et qui en sont sûrs, vous dites rien. I là. Il va être où? Do. 18. Il va être stocké où? Allez là.
laisse le temps de réfléchir. Il va être où? En mémoire, dans le virtual memory. Où est-ce qu'il va être, I? Ben non. Ben non, il va pas être dans le registre. Absolument pas. Voilà. Merci, Tartampion. Il va être dans la stack. Il faut pas que quand j'utilise un nouveau mot, vous disiez que c'est... Oui, alors effectivement, ça dépend du niveau d'optimisation. Je suis d'accord, Trégui. C'est possible que le compilateur fasse des choses. Mais là, on est dans une fonction. Main, c'est une fonction. Une variable qui est déclarée dans cette fonction, bah, elle va être sur la stack. Okay. C'est pas... Talleyrand qui dit qu'il n'y a pas 6 paramètres. Ici, c'est une variable que je déclare dans la fonction. Les paramètres, c'est ici, là. Ok. Ici, là, si je passais ici plus de 6 paramètres, effectivement... Allez, vous allez voir. On va compiler ce programme-là, vous allez voir. Alors, donc ce que fait ce programme, c'est très simple. On déclare une variable i dans laquelle on met 18. En réalité, ça va mettre 18 à une certaine adresse. On appelle une fonction avec i. En tout cas, ce qu'il y a dans i. Et puis, on va voir ce qu'il y a dedans. Ok ? Allez. Alors, cc, on va débugger. Donc, on va mettre moins g, moins o, le int, int.c. Le int.c. Voilà. gdb, le int. On y va. Donc, comme d'habitude, on va breakpoint sur main. Et on run. On y va. Alors, juste pour vérifier la structure de notre mémoire dans une fois que le processus a démarré. Ici, la stack, elle démarre à 7 fffff machin. C'est juste pour l'avoir à l'esprit. Step. On a mis 18 dans i. Alors maintenant, si je print i, évidemment. Donc 18 c'est 12 en hexa, d'accord. Si je print l'adresse de i, on est bien sur la stack. D'accord. On est dans une fonction. Les variables déclarées dans cette fonction sont sur la stack. Oui, je sais, Sonic Boom, ça fait un peu mal quand on est habitué aux 32 bits. C'est pour ça que je l'avais fait, que j'ai commencé en 32 bits. C'est parce que ça pique un peu là, ces adresses-là. Mais bon, une fois qu'on y est, voilà. Alors, il y a une première chose là qui m'ennuie, c'est qu'il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit « Ah bah ouais, mais il va dans un registre. » Mais non. Lorsqu'on rentre dans une fonction, les variables de la fonction sont sur la stack. Ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure, il ne faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Ça là, c'est l'argument passé à une fonction. Ok ? Les arguments qui sont passés à une fonction, donc par exemple, ça, ok ? C'est pas les variables qui sont déclarées dans la fonction. Ça n'a rien à voir. Une pause là. Est-ce que vous êtes tous en ligne avec moi là? Est-ce que vous pigez là? C'est quand même une grosse différence. Enfin, les éléments qu'on envoie, mais vous allez voir en assembleur, vous allez comprendre. Les éléments qu'on envoie à une fonction ne sont pas les variables de la fonction. Alors Fino qui dit une struct est toujours passée sous forme de pointeur. Alors attends, j'ai dit ça là. Attends. Justement le Fino. Attention. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'épisode 21 avant cet épisode 21. Attends. Vous êtes tous en ligne avec moi? Je veux tout le monde là. Oui, on va le voir après. On va le voir après, vous inquiétez pas. J'ai un exemple avec une struct.
Talon qui dit qu'il faudrait un nom différent. Un nom différent entre quoi et quoi? Michael qui dit ok. Il y a plus de registres dans le proc que de registres pour les arguments de fonction. Il y a donc des registres de travail. Et vous êtes en train. Est-ce que vous. Et attends, attends. Bon, vous savez ce que je vais faire? Ouais, on va le désassembler tout de suite ce programme. Je pense que ça va être plus clair pour vous. Alors bougez pas. On va reprendre le programme là, le int. Et puis on va écrire le code assembleur. Donc je vous remontre. Hein. C'est là. Voilà ce qu'il fait. On met 18 à une certaine adresse. On appelle une fonction avec la valeur 18 là. Et puis on s'en va. Il le QI qui dit ça va être comment l'adresse de i dans le fond s'il est dans un. Non mais non, attends. Alors vous allez voir. Voilà, on va le faire tout de suite. Salut Yoda, t'arrives juste au début, c'est bon. Alors on y va. DB. DB de le int. Et on va disassemble main. Et là, ça peut devenir beaucoup plus clair. Alors, ceci, ne vous en inquiétez pas, on en a parlé plusieurs fois dans les épisodes de C From Scratch, mais surtout de Linux From Scratch. C'est le préambule d'une fonction, c'est la sauvegarde du pointeur vers la stack, etc. On s'en fout, c'est pas très important. On réserve de la place pour inscrire des trucs sur la stack. Bon, maintenant, on va copier la valeur 0x12. Donc, c'est quoi déjà le... C'est 18. On va copier 18 à RBP, donc base pointer de la stack, moins 0x4. Et ça prend 4 octets, donc on le copie là. D'accord? Ça là, c'est i. Ça là, ici, c'est i. I égale 18, c'est ça, ici là. Là, j'ai besoin que vous vous concentriez. Cette ligne là, c'est littéralement ça. On move 0x12, donc 18, sur la stack à RBP moins 0,4, moins 0x4, qui est 4 octets moins le base pointer, et on met 18. D'accord? Est-ce que j'ai tout le monde là? Là, c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Au niveau CPU, le code bas niveau et c'est l'équivalent de ceci. D'accord ? On copie 18 dans. Boulon qui dit c'est idiot de faire ça dans cet ordre, c'est-à-dire. Là, tu parles de l'ordre de copie, tu veux dire source en premier, destination en deuxième ? Enfin, destination en premier et source en deuxième ? Alors ça, c'est la syntaxe Intel. Il y a l'autre syntaxe AT&T où c'est dans un ordre différent. Enfin, c'est source en premier, destination en deuxième. On est bon ou pas? Léa, est-ce que t'es là? Qui y avait d'autre là? Phaléon, est-ce que t'es là? Sonic Boom, est-ce que t'es là? Est-ce que vous êtes tous avec moi là? Sinon, on refait, hein, parce que ça, c'est le postulat du truc. Léa se concentre à mort. Mais on est d'accord que là, on est sur un code hyper simple. Boulon qui dit mettre la valeur d'abord, puis enregistre, puis copier la valeur. Ben oui, je sais. Big Boom, on a mangé sur au moins
un C from scratch. Ah oui, bah oui, bah oui, voilà, bah oui, mais exactement. Salut Akotime. Ok, jusqu'ici tout va bien. Donc, on est dans la fonction main et on copie la valeur 18 à cette adresse. D'accord ? Je peux écrire l'adresse à laquelle est écrite la valeur 12 là. Ah merde, j'ai run ou pas ? Je sais plus si j'ai run. Non, j'ai pas run en fait. Ah oui, j'ai même pas breakpoint ni rien. Hop, voilà. Run. Voilà. Donc, step. L'adresse de i, c'est ça. C'est sur la stack. D'accord ? Je fais vm map. Je vois bien que ma stack démarre à fffff, dd, machin. Et je suis absolument dedans. Ok ? Donc. I. Je disasse, je redésassemble main pour que ce soit clair pour tout le monde. Là. J'écris la valeur 18 à une adresse sur la stack. Ok. That's it. Après, il y a un petit micmac où effectivement on copie le contenu de cette adresse dans EAX, puis EAX dans EDI, parce que vous savez que, puisqu'on l'a vu ici, EDI, en l'occurrence, c'est RDI, et EDI est un sous-ensemble de RDI, on copie le paramètre, d'accord ? Vous vous rappelez ? Oui, moins 4, c'est pour 4 octets, absolument, MX Maxime. Et effectivement, un int, là, en l'occurrence, c'est 4 octets. Alors, tiens, je vous remonte un autre truc aussi. Pour que vous voyez très concrètement qu'est-ce que c'est que ce merdier. Si je regarde 4 bytes à l'adresse de i là, j'ai bien en Little Indian 0x12, donc 18, 000. D'accord ? Donc tout ça est extrêmement. Rigoureusement vrai à l'adresse. Hein, si je fais ça là, c'est pareil. Okay. À l'adresse 0x7 fffff machin, j'ai 18. En fait, c'est à ce moment-là que vous comprenez que les variables sont un mensonge. D'accord ? Ça, c'est en réalité ça. On est avec nous ou pas ? On est ensemble. Rogue One qui dit, est-ce qu'une variable est un mot ? Et sur combien de bits ? Bah ça dépend. Rogue One, ça dépend du type de variable. Là, je suis sur un entier. Et un entier, c'est 4 bytes. La définition de mot, j'ai l'impression qu'elle varie en fonction des documents que je lis. Pour moi, un mot, c'est 16 bits. Mais là, en l'occurrence, tu vois, si je fais 1W pour Word, je m'affiche bien. Non, d'ailleurs, non. Word. Voilà, lui, il met un octet, tu vois. Donc c'est vraiment variable fonction du document et du soft quoi. Salut Wingsaito. Et Axe74 qui dit un mot dépend du CPU. Alors, ça dépend du CPU, mais comme je te dis, vraiment hein, dépendant des documents que je lis et des softs que j'utilise. MX Maxime qui et n'empêche que c'est génial pour expliquer que la stack grandit vers le bas. Oui, c'est vrai. Absolument. Bon, est-ce que j'ai tout le monde là ? OCB carton blindé. Pour les entiers signés, toujours 4 bytes. Moins 1 bit pour le sign. Ouais, je pense que c'est ça, ouais.
Ouais, je pense absolument ça. Ouais. Léa, je t'entends plus là. Ça m'inquiète. Postulat. Une variable dans une fonction est stockée dans la stack. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ok. Mais tu piges là. Léa me dit je suis en pleine concentration, j'attends la suite. Mais là, on est d'accord. Enfin, on a une variable qui aurait été une adresse dans laquelle on met une valeur. À cette adresse, il y a cette valeur. On est bon. Ok. Bon, jusque-là, tout va bien. Ça va être très important d'avoir le code assembleur en tête. Donc voilà, on a copié ça. Et on a copié 12 à RBP, donc le base pointer, moins 4. Bon. Alors là, on fait une petite mécanique où on copie le RBP, l'adresse, là, ce qu'il y a dans l'adresse, RBP moins 4, dans EAX, et EAX dans EDI, qui est le premier paramètre qu'on va passer à une fonction. Et là, comme on a mis le paramètre dans EDI, on peut appeler la fonction, enfin, on peut appeler en réalité le label. C'est pas vrai. En fait, en assembleur, c'est pas vraiment une fonction, c'est un label. On appelle func. Et dans func, ah, rien de. Le prologue. Bon, en fait, comme dans func, on fait rien. Bon. Mais, qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, parce que c'est comme ça que fonctionne, on copie EDI dans la stack de la fonction, enfin dans la stack qui correspond à la fonction func. D'accord ? Bon, il se trouve qu'on n'en fait rien. Bon. Là, ce qui est important, c'est ça. Ok ? On copie ça là, la valeur 0x12 sur la stack. Ok ? Et puis on passe ce paramètre. Alexia qui dit je préfère funk. Ouais, mais là, parce que quand t'es en soirée et tout, en tout cas moi quand j'étais en soirée, moi on venait me demander de la funk. Ah, t'as pas de la funk? Non, j'écris ça de la funk. Ah merde, il y a Hardwares qui dit ça coupe. Ouais, parce que Hardwares est dans le train là. Il dit j'abandonne, ça coupe toutes les 30 secondes. Je verrai le replay. Bon bah, bisous à toi. On va essayer de faire un replay propre. Et MixMaxKim qui dit oh ouais, du coup, stack registre. Appel de fonction, copie du registre de la stack. Ouais, absolument. Absolument. Tregui, le compilo génère un op sans optimisation. J'aurais pas cru. Bah, si, bah, probablement pour l'alignement. Je pense pour l'alignement. Ok, donc là, on vient de passer une valeur donnée, machin. Voilà. Alors, juste hein, pour aller au bout du truc. On est d'accord que run. On est d'accord que là, donc, on envoie à la fonction func la valeur 12. Ok. On est d'accord que à la sortie de func, même si j'avais modifié i, ça n'aurait rien fait au i qui est ici. On va regarder pourquoi. Comment je l'ai appelé déjà ? Je l'ai appelé. Ah, le int. Faisons ici un truc, on va dire i égale 19. Ok ? Puis, on rebuild. Ouais, c'est rigolo ça. Attends, je vérifie ce que vous dites. C'est peut-être un verbe irrégulier. Funk. Le compilou qui génère, ok. C'est bon, on peut pourrir Hardwares du coup, ouais, c'est clair. NDLA, nope, c'est no opérateur, une instruction qui ne fait rien, exactement. À part prendre du temps et de la place. Enfin, plutôt de la place en fait. Ouais, très peu, oui. Bah, effectivement, du temps, mais très peu. Donc là, ce que j'ai fait là, regardez là. Hein, ce que je fais,
naïvement, c'est je fais i égale 19. Bon. Breakpoint sur main et on run. Donc là, i, en réalité, à l'adresse. À l'adresse 0x machin machin D61C, on a la valeur 0x12 qui vaut 18, d'accord. Mais retenez, hein, on est à D61C, d'accord. Vous retenez, i en fait, c'est une représentation jolie de l'adresse 0x7FFFFFF. D6 1C, d'accord. Donc je step et je rentre dans la fonction func à qui on a passé un i, ok. Et là, ce i là, c'est pas la même adresse. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a copié. Vous rappelez, hein, on a copié 12. Dans la stack de cette fonction là, hein, si je dis as main, on copie le contenu de rbp-04 dans UDI, ok, et on passe EDI, ok, c'est le contenu qu'on a copié. Tiens, vous savez quoi, je vais vous laisser cogiter pendant le scope local du prof fond bleu. Je vais vous laisser cogiter pendant, allez, on va dire 48 secondes et je reviens tout de suite. Oui, c'était une pause technique. Alors, on y va. Alors, attends, qu'est-ce que vous avez dit là? Venez, on se casse tous. Léa, je dois vous laisser, je dois fermer une vanne. Non, tout va bien. Alors, le finois qui dit. Qu'est-ce qu'il fait en 48 secondes qu'on peut faire en 44? Petite explication à tes visiteurs. C'est quoi? Un live, oui, c'est sur l'UC. C'est quoi l'écran? De l'assembleur. Mais non, au contraire. Frère, c'est pas une horreur. Voilà. On est d'accord ou pas? On va. Salut Akotime. Mais non, je t'ai déjà vu Akotime. Ce que je vous propose peut-être pour expliquer ça. Parce que c'est peut-être pas ultra clair la différence entre les moves, entre les crochets, pas les crochets, etc. Ce que je vous propose, c'est de faire un. Donc on est évidemment dans C from scratch. Hein. Tu as absolument raison, McCall. On est dans C from scratch. Et alors ce que je propose. C'est peut-être de faire un tout petit, alors vraiment un tout petit programme en assembleur.
Le alors pas le in.s. Non 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 non, on va pas faire le in.s. On va faire un tout petit truc. Je voudrais vous montrer la différence entre les différentes formes de déplacement de valeur en assembleur. Ok. Alors je vais pas. On va pas aller dans le détail du truc. Hein. On va faire un tout petit code de rien. Donc on dit que notre fonction de démarrage qu'on va exporter, elle va s'appeler start. Et puis on va direct écrire la section texte, ok, du code. Et vous allez voir, ça va être tout petit. Donc on a notre label start. Et ce qu'on va faire, je vais empiler un truc. les 10 premiers nombres. OCB Carton qui dit les 10 premiers nombres premiers en assembleur. Non, alors non, je pense que je pourrais pas le faire comme ça de tête. On va juste pusher un truc. Donc sur la stack. Push. C'est une instruction. Et envoie ce que tu mets là sur la stack. Et on va envoyer fou. Alors je connais fou par cœur en exa. C'est 6 F. Ça c'est fou. F-O-O. Alors, on va voir plusieurs choses. En premier, on va faire bêtement, on va move sur, bon, on va dire RX par exemple, RSP. Donc, RSP c'est le pointeur sur la stack. Donc sur la stack, il y a ça. D'accord ? Je vais pointer RSP dans... plutôt, je copie RSP dans RX. D'accord ? Quand ça manque deux ? Où ça ? Ah oui, ok, dans les nombres premiers. Vous êtes d'accord avec mon code là ? Très simple. Alors, NASM, pas du tout. NASM. Je l'ai fait tout à l'heure. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. Donc, je compile mon petit code assembleur et ensuite LD. Voilà. Donc, mon petit code assembleur, hein, juste pour... vous me dites hein, si vous suivez pas. Hein. Tout ce que je fais, c'est je push une valeur sur la stack et je copie le registre SPX dans RX. D'accord ? On va voir ce que ça donne. Donc GDB, comment je l'appelais ? Moufrax. Donc je breakpoint sur start cette fois, pas sur main. Hein. Et je run. Là, il y a bien mes deux instructions assembleur qui sont là. Ok ? Alors là, je vais pas step, je vais SI pour step instruction. Donc là, je push 0x66 sur la stack. Donc là, si je regarde ce qu'il y a dans la stack, et ferme ta gueule, Tarzan. Si je regarde si j'examine ce qu'il y a sur la stack, je pense que je peux juste faire x. Donc c'est $RSP. Eh bien, qui est en fait fou. Slash S, je pense que c'est comme ça. Ah merde, non, c'est off. Ah, j'ai fait de la merde. J'ai écrit off en fait. Bon, mais je voulais écrire fou, d'accord. C'est bon. Eh ben, c'est pas grave, c'est off. En fait, c'était absolument ce que je voulais faire. Voilà, exactement. Bon, je l'ai fait à l'envers, d'accord. Ah, mais oui, mais non, mais c'est pas ça. Ouais, c'est bon, bah, peu importe. Ça va marcher avec off quand même. Hein. Donc, voilà, donc là, dans RSP, à l'adresse 0x7, j'ai cette valeur là, d'accord. Punk off, c'est ça. Ok, donc là on est d'accord, j'ai pushé un truc sur la stack. Maintenant je step i, je step une instruction assembleur. Là donc j'ai copié RSP dans RX. Que vaut RX ? Que vaut RX ? J'ai copié l'adresse de RSP dans
RX. D'accord ? Faites pas, y a pas de lien à faire avec le programme précédent. Là, on est vraiment. Je suis en train de vous montrer des rudiments d'assembleur. D'accord ? Donc, si je montre. Si j'examine ce qu'il y a dans RX, bah, vu que dans RX, il y a la même adresse que dans RSP, bah, ça pointe vers la stack. Et en l'occurrence, bah, il y a off. On a donc l'adresse dans Rax. Absolument. Hazel qui dit l'adresse de Rax ou l'adresse contenue à Rax. Dans Rax, tu as copié l'adresse. Ok ? En faisant move, ici, en faisant move RSP dans Rax, tu as copié l'adresse vers laquelle pointait RSP dans Rax. D'accord ? Et de la copie pure et simple d'adresse. Donc ça permet de faire ça, c'est facile. Ok ? Maintenant, alors là, donc j'ai copié une adresse vers une autre adresse, on est d'accord. Hein ? L'adresse où aller chercher la valeur. Bon, l'adresse qui pointe vers la valeur. C'est faut faire attention à la terminologie parce que il n'y a pas de magie. Okay, tu as une adresse et il se trouve qu'elle pointe vers une valeur. Mais je pourrais également faire... On va modifier MoveRax. Et au lieu de faire ça... Donc, est-ce que tout le monde comprend là, hein ? J'ai copié l'adresse qu'il y avait dans RSP dans Rax. Okay, rien de ouf. Hein. Là, on est vraiment... balbutiement de l'assembleur là. Mais rien de ouf, mais s'il y en a qui comprennent pas, vous me le dites. Hein. Est-ce que Kindimo consent ou est-ce que y en a qui sont en PLS là ? Pourquoi move ça copie au lieu de move ? Parce que en fait je trouve que les noms d'instructions en assembleur Intel sont particulièrement merdiques. Non mais Tarzan, vas-y c'est bon là. Léa qui dit juste pour être sûr, push 0x, si, ça va pousser 0x1 à RSP, oui. Tu vas empiler cette valeur là dans la stack. Pourquoi RSP ? Bah parce que en fait quand tu push, alors ouais important, le keyword assembleur push implicite pousse une valeur dans la stack et RSP est le pointeur vers le dernier élément de la stack. Voilà, c'est tout. Hein. Attends qui est arrivé là ? Salut Terran007, bienvenue à toi. Donc c'est bon, c'est clair ? On a... Imaginez, hein, comme les pèses là. Tu mets, hop, le dernier truc. Voilà. Terence qui dit, pourquoi tu ne soustrais pas la taille, les bytes comme sur le programme C. Ah, attends, tu vas voir. Justement, on va essayer un truc là. Tu vas voir. Donc, là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est j'ai copié littéralement ce qu'il y avait, enfin l'adresse qu'il y a dans RSP. Dans RAX. Maintenant, je peux faire un autre truc. Je peux copier le contenu de RSP. C'est quoi la différence entre step et step instruction ? C'est que step, en fait, tu l'utilises en C pour stepper une instruction C. Alors que step instruction, tu vas stepper une instruction CPU. D'accord ? Dès que tu veux commencer à stepper de l'assembleur et y aller instruction par instruction, mais niveau CPU, tu utilises SI. D'accord ? Donc là, en fait, si j'utilise cette syntaxe, move crochet de RSP dans RAX, et ben ça fait pas pareil. Si je fais ça, tac, GDB, B, start, run, ça, step I, donc je push off dans la stack. Et alors si je... Maintenant, vous voyez là, c'est pas pareil. Là, je vais copier, je vais move
crochet RSP crochet. Et alors là, si je fais ça, maintenant, si j'examine ce qu'il y a dans Rax, à votre avis, il y a quoi? Exactement, Léa. Je peux pas examiner parce que dans Rax, maintenant, il y a 0x6666F. On a copié la valeur et non l'adresse. On peut print par contre Rax. Et effectivement, dans Rax maintenant, il y a 6F. Ce qui est tout à fait différent. D'accord ? Alors maintenant, vous voyez la différence là entre copier l'adresse dans un truc et puis le contenu dans un registre. C'est deux choses distinctes. Maintenant, imaginons que je veuille copier le contenu d'une adresse relative à RSP. Vous savez, depuis tout à l'heure. Alors c'est pas, attends Hazel, on n'est pas loin, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore tout à fait la différence entre valeur et adresse. Et oui, effectivement, on est en train de tourner autour. Donc dans l'assembleur qu'on a généré tout à l'heure de notre programme C, vous savez que en fait tout est relatif à RBP, hein, au base pointer. C'est-à-dire l'adresse de démarrage de la fonction. Voilà, exactement, Léa. Donc on pourrait se dire, bah attends, pourquoi je pourrais pas simplement faire ça pour copier une adresse relative par rapport à la stack. Et ben pourquoi je peux pas faire ça? Et ben parce que c'est illégal. Là, il y a direct, là, normalement, dans 5 minutes, il y a la police de l'assembleur qui arrive. Sauf si je fais ceci. Au lieu de move, je fais LEA pour load effective adresse. Et là, si je fais ça, par contre, ça marche. Exactement, Tréguy, c'est là qu'on fait un LEA. En fait, tu n'as pas le droit, c'est pas supporté, de faire un move d'une position relative. Il faut que tu utilises une autre instruction. Et l'instruction en question, c'est LEA. Léa. Et pour toi, celle-là. Et là, normalement, Sonic Boom qui se prend la tête. Là, normalement, voilà, ça passe. Bon, alors là, il se trouve qu'on a n'importe quoi, hein, dans LEA-4 là. Mais c'est le mot-clé est LEA, absolument. Et là, en fait, tu copies dans Rax l'adresse de ce machin-là. C'est à la fois c'est compliqué et simple, c'est-à-dire que on aurait pu avoir un truc avec c'est faux. Alors je veux pas le faire longtemps parce que sinon il y a vraiment la police de l'assembleur qui va arriver et qui va me couper ma fibre une deuxième fois. Vous avez des micro coupures sérieux? Alors RSP-4 c'était juste pour l'exemple, hein. C'est juste pour dire, voilà, parce que tu vas voir tout à l'heure qu'en fait, il y a ce genre d'instruction dans le code assembleur qui est généré. Ah putain, Alexia, tu me dis que t'as des micro-coupures, que toi, t'as des micro-coupures dans le cerveau, je vais t'emmerder là. Ok. Sonic Boom qui dit, j'imagine les ASM from scratch où Emile dira, bon, pour mieux comprendre, on va lire le code binaire, machin. Mais non, en plus, non, pas du tout, parce que, en l'occurrence, l'assembleur là qui est généré, finalement, c'est du langage machine, quoi. Et t'auras jamais plus proche.
Donc, en fait, alors je le fais rapidement, hein, pour pas trigger la police de l'assembleur. Ils sont, attention, hein, la police du C, ils ont des trucs là un peu blindés et tout machin. Ils arrivent, ils ont des matraques. Hein. La police de l'assembleur, c'est pas les mêmes. Hein. La police de l'assembleur, les mecs, ils sont, enfin, c'est des trucs. Tu vois Iron Man dans Endgame avec le costume en micro truc, bah, c'est ça. Police de l'assembleur, ils déconnent pas. Hein. Azel qui dit Léa en ASM égale pointeur en C, absolument. Et crochet crochet en ASM égale étoile en C. Oui, c'est ça, c'est absolument ça. Bien joué. Absolument, Azel, c'est très beau ce que tu viens de dire là. Pas mal. Effectivement. Et. Ah, c'est bien ce qu'il vient de dire Azel là. Ah, c'est très bon ça. En fait, mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, nous venons d'écrire un pointeur en assembleur. Non, mais c'est, je comprends ce qu'a dit Azel, mais ne relisez pas ce qu'il a dit. on va y venir, vous inquiétez pas, on va y venir. Donc, je vous écris un truc, rapido, j'ai pas le droit de l'écrire, d'accord ? Sinon, j'ai la police de l'assembleur direct. Donc ça, ce serait pareil que ça, si j'avais le droit de le faire. D'accord ? Et on n'a pas le droit de le faire. Terran 007 qui dit « Juste pour confirmer, tout à l'heure, avec les crochets, on avait le contenu. » Oui. Alors qu'avec LEA plus les crochets, on reste sur une adresse. Oui, c'est exactement ça. En fait, les crochets, enfin, Léa s'attend, lorsqu'il y a des crochets, ici, il va sortir l'adresse de ce machin-là et le copier dans Rax, comme aurait fait un move. D'accord ? On est sur des trucs. C'est rigolo là, hein ? Est-ce que j'ai encore tout le monde ou pas là ? Donc, je résume. Move, Rax, attends. Rax, virgule. Eh, vous savez, on va finir l'épisode d'aujourd'hui, on n'aura pas fait une ligne de C. Si, j'en ai fait un peu, mais ça va être full de l'assembleur. Donc, move, Rax, RSP. Je copie l'adresse qu'il y a dans RSP, dans Rax. D'accord ? Si je fais move de crochet de RSP dans Rax. Je copie le contenu de RSP dans Rax. Et ici, je copie l'adresse de RSP-4 dans Rax. Allez, on respire là. Un petit peu d'ASMR. Ah, elle se marie. Eh, je t'avais pas vu arriver, salut, elle se marie. Sonic Boom, faut te dire que Move et Léa, c'est câblé dans le processeur. Bah oui. Donc, ça doit être plus simple du point de vue design, processeur, à un moment, probablement. Ah, ça y est, j'ai Léa qui convulse. Du coup, il y a un Léa équivalent pour le contenu. Bah non, on s'en fout. Le contenu, tu l'as avec Move. Avec Move, t'as parfaitement le droit de faire... RSP -4, ça c'est pas un problème. Le contenu. Bah donc tu copies vraiment le contenu. Bah oui, absolument. Ouais. Alexia qui dit move Rax RSP, tu copies le keyword, donc le oui, le mot, le truc, enfin la data quoi. Pointé par RSP dans RX. Tu copies la valeur, la fameuse valeur.
Sonic Boom qui dit quand je ferme les yeux, je bois des pointeurs, c'est normal ou pas? Bah ouais, carrément. Ouais. Hazel qui dit, qu'est-ce que ça donne si tu demandes à GDB de disassembler le truc compilé from ASM? Ah bah il va pas disassembler. Hein. Justement, là en l'occurrence, enfin ouais, je vais essayer là, mais je t'avoue, j'ai même pas essayé de ce genre de truc. Enfin, passe, je dis à GDB, donc on va break. Bah, j'ai même pas besoin. Disas start. Ah, il va pas disas quoi. Il traduit le move RSP, il rajoute que c'est un keyword pointer machin. Mais globalement, il touche à rien. Alors pourquoi je vous montre ça? On peut continuer à jouer avec ça. Hein. On va continuer à jouer avec ça. Mais d'abord, je vais vous montrer un truc. Donc, ouais, c'est ça, le hint. GDB moins X. Zas main. Et je vous montre un petit astuce là. Moins X. C'est quoi, c'est qui? De le int. Int. Voilà. Vous savez ce que c'est ça? Donc, GDB, t'exécutes une commande, puis une autre commande. Voilà, comme ça m'évite de rentrer dans GDB, taper, machin et tout. Donc, ici là, c'est le code de le int. Dans lequel... je copie. Attends, ouais. Dans lequel je copie 0x12, donc 18, à RBP moins 0x4. Puis je copie le contenu de RBP moins 0x4 dans EAX. Je me demande pourquoi. Ah, pour de vrai, hein, je me demande pourquoi ça fait pas juste simplement move de RBP moins 0x4 dans EDI. Il doit y avoir une raison. Je sais pas si quelqu'un connaît la raison pour laquelle il y a un step supplémentaire là où tu passes par EAX au lieu de directement copier dans EDI. Est-ce que quelqu'un a la réponse à ça? Ça me surprend parce que à la fin, ça fait une opération supplémentaire. Les deux, c'est des registres de 64 bits. Enfin, là, en l'occurrence, ils sont adressés en 32 bits, mais... Alexia, oui, car c'est un compilateur itératif avec debug actif. Il fait chaque ligne de façon indépendante. Ah. SE Marie qui dit, tu peux essayer dans ton test.s pour voir si c'est valide de move. Bah, y a pas de raison, hein. Attends. Je vois pas pourquoi ça merderait, mais on va essayer. Fais un move dans RD direct, c'est ça? Même EDI d'ailleurs. Take NAS. Ah oui, non, c'est normal, je suis en train de copier RSP qui est 64 bits dans EDI qui est 32 bits. Faire ESP. Voilà. Non, je fais EDI exprès, Trigui, parce que SE Marie, il dit, ouais, ça se trouve, t'as pas le droit de le faire, de copier direct dans EDI, mais tu vois, manifestement, il est content. LD, machin, et... Breakpoint sur start, run, step. Non, il est content. Je print EDI. Ah, mais non. $ EDI. Ah non, c'est bizarre ça. Ah, oui, non, mais non, oui, c'est sur 32 bits là. Ah oui, mais non, mais oui, mais du coup, c'est de la merde, ça. Attends, là.
franchise. C'est bizarre ça. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? On fait un peu de hors-piste là. Hein. Qui c'est qui s'en va? Ah, Sonic Boom, tu t'en vas? Ok, ciao Sonic Boom. Bon après-midi à toi. Voir si je le fais avec RDI là parce que. Là je suis pas dans le. Je suis pas dans le même contexte que le compilo donc. Ça va marcher ça. Allez, breakpoint sur start. Run. Print RDI. Ouais, ouais, voilà, ça marche. Bah oui, non, bien sûr. Ah non, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est... Non, mais je pense que Alexia a la bonne réponse. Hein. Alexia qui dit, tu peux même jouer avec RSP ou ESP si tu veux. Mais attention, crash très rapide. Oui, bah oui. Donc, je pense qu'effectivement, la réponse d'Alexia est la bonne. Qui est que le compilateur, en fait, il fait une opération à chaque fois. Je relis hein, ce qu'a dit Alexia. Oui, car c'est un compilateur itératif avec des bugs actifs. Il fait chaque ligne de façon indépendante. Léa qui dit bon, sinon référence ou copie. Ah putain, casse tellement les couilles cette appellation là. Donc alors attends. Alors ceci dit, oui, t'as raison. Regarde. Tac, vas-y. Donc ici, on copie littéralement la valeur. On est d'accord. Okay, 0x12, c'est 18. Et on le copie sur la stack. La stack est copiée dans EAX, qui est passée en paramètres. Tadadi, tadada. On est d'accord. Rax, je pense qu'on avait, on avait dit que le R, c'était pour register. Référence. Oh non. Ah, oh, mais non, mais j'avais pas compris. Horrible. Triggy. Non, en fait, vous savez quoi? Je vais bannir le mot référence. Je vais juste bannir parce que ça veut tellement. Alors regardez, on va y aller là. Là, on y va là. Le hint. Maintenant, regardez bien. Alors, c'est rigolo. C'est rigolo. Donc là, on est d'accord. On est d'accord là-dessus là. Hein? On copie tout ça, tout ça. Maintenant, on va prendre le même code et puis on va lui passer l'adresse de i. Et donc i, on reçoit quoi? On reçoit un pointeur. D'accord? Alors qu'est-ce que ça donne? Ah, y a Tarzan qui est pas content du tout derrière. Ah oui, bah tiens, c'est bien, le computer il m'insulte parce que j'ai pas fait ça. Alors qu'est-ce que ça donne? Si je désassemble ce truc-là maintenant. Oh, mais ça a plus du tout la même forme, mes petits amis. Et en particulier, alors je pourrais vous parler de ça un peu plus tard, mais si vous vous rappelez de Linux from scratch sur les canaries, et ben en fait, ça ici, là, c'est le canari. Là. On en parlera si vous voulez un peu plus tard. Ici, je copie 18. À RBP-0XC, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous vous souvenez, tout à l'heure, on faisait un move de ce truc-là dans RX, mais là, on fait un LEA, c'est-à-dire qu'on récupère l'adresse de ce machin-là dans RX. D'accord? Je refais. Regardez bien. Je vous montre le backstage, là, quand même. Je reviens. Tac. Ici, là, je copie 18 à RBP-0x4. Et je copie le contenu de RBP-0x4 dans EAX. Oui. Est-ce que vous êtes tous morts? Est-ce que vous êtes tous en train de convulser?
Et je vais arrêter de faire ça le samedi, hein. Salut Totemat. Totetmat. Ici. Ici, je copie 18 sur la stack. Mais surtout, ici, je copie le contenu de la stack, donc 18, dans EAX. Et c'est ça que je passe. Voilà. Je passe pas l'adresse, là. Là, ici, je passe la valeur. Ouais, je remets le code C. Le in. Regarde. Ici, là, je passe I. Et en fait, ça, quand tu fais ça, ici, là, tu vois, je copie le contenu. Parce que j'ai mis des crochets. D'accord ? Le contenu dans EAX. Exactement. Dans EAX, j'ai off. C'est tout à fait ça, Léa. C'est absolument ça. Bon, là, en l'occurrence, c'est un nombre, là, mais on s'en fout. C'est exactement ça. Et je lui passe la valeur. Ok ? Tandis que si je fais ça, donc, hop, pour rappeler, hein, là ici on a ça, ok, je move le contenu de RBP moins 0.4x dans EAX. Okay, donc en gros, je move 12 dans EAX. Enfin, 0x, pardon. Oui, pardon, c'est parce que j'ai switché entre la SM et... Mais oui, voilà, je move 12 dans EAX. Et là, bon, bah là, il y a un autre step où je move... Donc là, c'est pareil, hein, là, je move 12 dans EDI. Ok ? Et Funk va recevoir 12. Par contre, là, dans ce code-là, je passe l'adresse. Donc, si je dis à ça, donc au début de mon code, je mets 12 dans la stack, il n'y a pas de problème sur la fonction main. Par contre, je ne move plus. Je load effectif adresse de RBP moins machin, donc ce truc-là. Donc l'adresse où il y a ce truc-là, je la mets dans RX. Ok ? C'est l'adresse de ce machin-là que je mets dans RAX. Et donc... Oui, pardon, 18, désolé, tartons pions. Donc, l'adresse de ce machin-là, je la mets dans RAX. Et je la mets dans RDI. Et Funk va recevoir non plus la valeur, donc 18, mais l'adresse de là où il y a 18. D'accord ? Ça, c'est le... Honnêtement, hein, je pense que c'est le truc le plus important que vous avez à comprendre. De tout. Je voulais pas mettre la pression au début de live et tout. Mais s'il y a un live qu'il faut comprendre, c'est celui-là. Une fois que vous avez compris ça, il n'y a plus de limite. Léa qui dit Léa de Rax de RBP moins 0x égale move. Exactement! Po, exactement. C'est tout à fait ça. Ah, je suis content, là. Exactement. Du coup, Funk va recevoir l'adresse où il y a ce merdier là. Et puis, bon, bah, voilà, il va avoir accès à cette mémoire-là. Et c'est tout l'intérêt du pointeur. Et au lieu de gérer avec le contenu, donc la valeur, et puis c'est valide dans la zone de la fonction, et ben, il a l'adresse du truc, et du coup, il peut faire ce qu'il veut avec.
Bon, c'est pas... Franchement, si on a fait... Si ça, c'est clair, on est pas mal. Bon, j'avais prévu de faire pareil avec... Alors... Avec un tableau... Bon, on va le faire. Le tableau de Hint, on va le faire. Mais j'avais prévu aussi de d'y aller avec des chars et tout, machin, des trucs et tout. Bon, on se parlera. On fera ça la prochaine fois. Le plus important, là, c'est d'avoir compris ça. Non, pardon. Ça. Voilà. C'est ça le plus important, là. Les quatre lignes, là. Et donc, la différence... Professeur Fonblu, si vous m'écoutez, apprenez ceci. La différence entre ce que vous appelez un passage par valeur ou un passage par référence, whatever that means. J'imagine, vous imaginez la... La convention des professeurs Fonblu, ils sont tous ensemble et tout, puis à un moment donné, il y a longtemps, ils se sont fait « Mais cette histoire de passage par adresse, vous comprenez, vous ?»« Ah non. On pourrait pas donner un autre nom ?» Comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir et on dit aux gamins « Ouais, mais c'est un passage par truc, ça, t'as pas besoin de... c'est magique. » c'est magique, ça passe, c'est de, voilà, c'est des références. Ah, des références. Oh putain, bravo, professeur Fonblu numéro 2. Merci, professeur Fonblu numéro 14. Je propose que nous inscrivions ça dans la charte des professeurs Fonblu. Et depuis ce jour, les professeurs Fonblu appellent ce qui en fait est un passage d'adresse, un passage par référence. Je ne peux rien dire. Mais bien sûr que ça braine tout le monde. Léa, il dit, une interrogation, le fait que int i, char simple et struct simple puissent passer par copie, c'est seulement parce que ils ont la taille pour entrer dans un registre où j'ai pas compris. Non, en fait, non, ça c'est moi qui me suis mal exprimé. C'est pas du tout qu'ils ont la taille pour entrer dans un registre. Non, en fait, j'ai littéralement dit de la merde parce que c'est pas comme ça que ça marche. En fait, lorsque tu passes un truc, lorsque tu copies quelque chose et tu passes pas son adresse, eh ben c'est littéralement copier. Ce que j'ai mal exprimé la semaine dernière, c'est que en fait, justement, t'imagines bien que quand tu passes une adresse comme ça, enfin pas une adresse, une valeur, un truc, tu le copies. D'accord ? Imagine une struct de 25 éléments. Et c'est pas rare des structs de 25 éléments. Alors rien que TCP/IP, il y a je sais pas combien. Si tu passes cette struct et que tu la copies, ok, donc que tu fais un move, il va falloir copier l'intégralité de tous les éléments de la struct. Et ça, c'est une saloperie. Parce que ça prend du temps. C'est extrêmement consommateur. Ça prend du temps et de la RAM. C'est extrêmement consommateur. Alors que, lorsque tu passes une struct par son adresse, bah en fait, ta fonction qui reçoit l'adresse de la struct, elle a immédiatement accès à tous les champs sans avoir eu à copier l'intégralité de tous les trucs. Mais on va le faire, ça. On va faire un appel de fonction avec une struct qu'on va copier. Et ça copie, hein. Littéralement, ça va copier tous les fucking champs. On peut le faire rapido, là ? Allez, on va le faire rapido. Mais ce que je veux pas que ce soit le bordel, tu vois. Je veux pas que ce soit le bordel dans les esprits en closant, là. Akotem qui dit ça tient pas dans un registre. Comme ça se passe. Non, alors, tu vas passer par deux registres, mais ça va être des copies, quoi. Ça va être des copies et des copies et des copies. Alors, dans ce cas, ce qui me bloque, c'est pourquoi int char simple et struct simple
est le super pouvoir de la copie magique. Attends, le filon qui dit... Mais il y a des gens qui passent des trucs comme... Oui, non mais littéralement, bien sûr, tu peux copier. Et c'est ça le finnois qu'on disait au tout début. Attends, on va le faire, on va le faire. Regardez, on va le faire. On va faire... Le struct. Le struct.c. Alors, on va faire un truc assez simple. Attends, on va prendre... On va se faire une petite fonction. Non, alors on va se faire une struct. Très simple. Test. Voilà. On va mettre dedans un int. Et un char. Voilà. Ok. Attends, fallait on. I avec une adresse. Ça va détruire toutes les adresses qui pointent sur les valeurs de la struct. Pourquoi ça détruirait quoi que ce soit? Oh, tu passes l'adresse. Évidemment, en passant l'adresse de la struct, comme en passant l'adresse de l'int ou du char ou peu importe, tu prends le risque que ta fonction, effectivement, manipule le contenu de ce que tu es en train de passer. Bon, là, il y a un code qui doit faire attention, quoi. Tricky dit Léa, parce que naturellement quand on faisait de l'assembleur, ça avait du sens de passer un entier dans un registre ou la stack plutôt que son adresse si on devait le modifier. Si on devait pas le modifier, oui. Alors on le fait, hein, on le fait rapido là. Alors, voilà, on déclare un petit struct avec un int et un char dedans, ok. On va faire une petite fonction funk. Hein. Maintenant c'est devenu un standard funk. À laquelle on va passer. Une struct test. Voilà, on va rien faire de particulier dedans. C'est juste pour voir. On va juste regarder ce qui est passé. Et un main très simple dans lequel on va déclarer une struct test T qui est qu'on va initialiser. Hein. Hop. Et donc il y a i, donc on va dire point i égale 10. Et point c égale f, par exemple. Ok. Non. Pas du tout ça, c'est comme ça. Pour l'initialisation, c'est ça la syntaxe. Problème d'ailleurs que je dois mettre un virgule ici. Voilà, donc là j'ai initialisé une struct, enfin une variable t. Sur une struct test qui prend qui a un int et un caractère. Et là j'appelle donc de t et je return. Voilà. Salut Alexia, merci d'avoir été avec nous. Alors déjà, ce code C, est-ce que ça va? Il vous stresse ou pas là? Non mais tu me casses les couilles, Tarzan. Hein. Il vous stresse ou pas là? Hein, on déclare une struct assez simple avec deux membres. On a une fonction qui va rien faire, mais c'est juste pour printer ce qu'il y a dedans, enfin dans GDB. J'initialise la struct avec le paramètre i qui vaut 10, t il vaut f, et j'appelle la fonction. On est bon? Alors, on va builder ça. Et ça va être le struct. Le struct. Voilà. On y va. GDB le struct. Breakpoint main. Vous êtes habitué. Et on run. Je step. Bon, je déclare. Ma variable t. Alors on va print t. On va regarder ce qu'il y a là, dans t là, ok. Je vais juste ouvrir la fenêtre à Tarzan parce qu'il est en train de me casser les couilles, mais de ouf. Ouais. Donc t
Dedans, il y a 0xA, donc 10. Et F qui est 0x66. Mais est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Il n'y a aucun mystère là? On est bon? Et si je print l'adresse de T, elle est sur la stack, évidemment. Et voilà. Ok? Je vais vous montrer un truc. Si j'examine T, enfin E de T, okay, le X de GDB permet d'examiner les bytes qui sont à une certaine adresse. Donc, sur les premiers octets, j'ai bien A. Si je regarde sur deux octets, j'ai bien à l'adresse. Nanana, ça commence avec 10 et puis après il y a ça qui est un F. D'accord ? Ça là, c'est ma struct. Si vous avez bien suivi l'épisode sur les structs, vous savez qu'en fait une struct c'est rien de plus qu'une collection de données les unes derrière les autres qui sont simplement typées et c'est comme ça qu'on sait ce qu'on a récupéré quoi. D'accord ? Il n'y a plus personne qui parle là. J'ai peur là, je vous jure. On est bon ou pas ? J'ai déclaré une struct, elle est sur la stack forcément. Ok. Ok, c'est bon. Cool. Bon, donc j'ai ma struct qui est là. Ma struct est à l'adresse D608. Je step et je rentre dans la fonction func. Là, j'ai bien toujours ma struct, pas une variable, qui a les valeurs qu'il y avait dans ma struct initiale, on est d'accord. Par contre, ce n'est pas du tout à la même adresse, des 5 et 8. À l'adresse 7FFFFD5E8, on a littéralement copié le contenu de la structure T. On l'a copié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cet instant, dans ce bout de code, on a ces deux valeurs qui sont copié à deux endroits différents de la stack. C'est extrêmement contre-performant. Surtout si, à moins qu'on ait besoin, il y a des cas de figure dans lesquels on va avoir besoin juste de copier parce qu'on veut surtout pas modifier la valeur initiale du truc et tout. Il le QI qui dit, mais il copie vraiment autant de fois que d'attributs où il y a un même CPY. Non, c'est réellement copié. Hein. Ouais, tu vois, regarde. Là, je suis à une adresse différente. Je le refais, hein. Regardez. Step, step. Voilà. Je print l'adresse de T. L'adresse de T ici, c'est D608. Ok. D608, vous retenez. Je me le mets pour moi aussi, parce que je joue. D608. Je rentre dans la fonction func. Non, je suis où, là? Oui, là. Je rentre dans la fonction func. T, c'est D5E8. Donc je rappelle, c'était D608, hein, l'adresse de T dans la fonction main. Là, j'ai littéralement copié. Et ça veut dire que à l'adresse 0x7FFFFF, j'ai copié 0xA et 0x66. Il est quick, dit ouais, mais je veux dire, il fait pas T.A égale T. Non, bah, en fait, comment ça. Non, on va générer hein, le code assembleur de ça, regarde. Si on désassemble ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, move, bon, ça c'est l'initialisation. Tu vois, tu copies 0xA sur la stack, tu copies 0x36 sur la stack, et après, tu copies. Le contenu de ce machin là dans Racks
et tu le passes. Et là, ça passe parce que c'est une toute petite, c'est des petites variables, tu vois. Mais si jamais t'as plus de merdier là, il va y avoir plus de choses ici. Mais le QI, il n'y a pas de même CPY. Là, on est en assembleur. Là, quand je parle de copie, je parle pas de copie en C. Je parle de copie au niveau assembleur. Là c'est des moves, là. Tu vois ? Dans le finnois qui dit, c'est hypothétique, mais si je peux faire avec une struct de 3 quarts, ce serait normal que je puisse le faire avec un quart de 3, car dans les deux cas, ça fait 3 quarts à coller. Oui, sauf que le finnois, le compilateur, lorsque tu passes un tableau, il passe immédiatement en mode pointeur. Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler là. On le fera la prochaine fois, c'est pas grave. Mais c'est pour bien expliciter que lorsque tu copies une donnée simple, dans le sens pas un tableau, donc un int, un char, un struct, mais un struct, ok, pas un tableau de struct, il est tout à fait possible de les passer par en les copiant. Mais qu'effectivement, la dernière fois, là où je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est que personnellement, et je suis content, le finnois, que t'aies réagi comme ça, parce qu'effectivement, habituellement, les structs, on les passe pas en les copiant, parce que c'est vraiment contre-performant. Akotam qui dit, pour passer une struct plus large qu'un registre, crée un tableau sur la stack et passe son pointeur. Non, le tableau plus large, il va être littéralement copié et probablement, ouais, que ça va copier. Ah, c'est possible, remarque. C'est possible qu'un truc plus gros, il soit copié sur la stack. Ouais, c'est possible ça. Et ce mari qui dit, size of struct de test égale 64 bits. Là, donc, ça passe dans un registre. Avec une struct plus grosse, il va utiliser plusieurs registres. Ouais, c'est possible. Vous voulez qu'on le fasse vite fait, là, pour voir ? Ouais, je suis curieux, là. Regarde, on va faire... alors, attends, tiens, on va faire... char de C de... je sais pas, on va dire... 100. Et alors, par contre, là, du coup, ça va pas marcher. On va dire... strcpy. Ah, mais là, du coup, je vais avoir besoin de... d'include et tout, ça me saoule. Bon, allez, on va le faire. Donc, strcpy de t. Point t, virgule. Ouais, ça sert à rien parce que t'as... point c. Bah. Ah, mais non. Absolument. Ah, c'est relou. Et hop, j'ai l'impression de faire un exploit. Ah, attends, là du coup je vais avoir besoin de string pourage. Marche là. Qu'est-ce que j'ai. Ah bah oui, non, c'est passé, c'est t.c. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah non, j'en ai mis 102. Ah la vache. Pas mal. Bien vu. Voilà. Alors voyons voir ce que ça donne. Tisas de main. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oula. Attends. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le bordel le truc. Qu'est-ce que vous m'avez fait faire là ? Alors attends. Alors moveabs. Moveable, c'est quand tu bouges des valeurs de 64, des grandes valeurs. Donc de Rax. Après, effectivement, dans RDX. Putain, c'est chelou là. Alors, attends, il bouge. Donc déjà, il passe Rax, RDX. Après, il copie ça. Sur des morceaux différents de la stack, donc ok. Après il push tout ça. Ah bah il le push sur la stack. Hein.
Ouais, il le push sur la stack. Alors du coup... Alors attends, si je dis As... Si je dis As... Funk. Ah et du coup il joue que avec il joue que avec la stack. Oh, c'est intéressant ça. Ah vous avez vu quand il y a un... quand on oui Twan, un peu comme s'il y avait X paramètres, ouais. Ah c'est intéressant ça. C'est rigolo comme Donc c'est ça quand il y a un gros quand il y a une grosse, mais ça ferait pareil avec une Bah non, tu peux pas faire ça avec autre chose. Il y a qu'une truc que ça va faire. Donc c'est ça, ouais. Et alors par contre, qu'est-ce que tu reçois? Bah c'est une copie, hein. Tu copies... Ah mais non, regarde. Ah bah si. Tu copies... Attends, je suis où là? Ah oui, non, pardon. Le call de fond qu'il a. Ah, ça, c'est comme s'il y avait plusieurs paramètres, en fait. Move. Où est-ce que ça commence? Ah, c'est du move Rax, là. Et ensuite, tu move dans RDX. Ah, mais il y a de l'optim du compilo là. Parce que regarde. En fait, il arrête pas de faire copie de RX, RDX, RX, RDX, etc., etc. Et parce que c'est toujours la même chaîne. Si j'avais un truc différent, je pense qu'il utiliserait d'autres registres. Où y'a rien ? Où y'a rien ? Un chef qui me dit où y'a rien ? J'ai sous les yeux le stream là. Et vous voyez rien? Azel qui dit court chercher une paire de Tampax pour son nez. Non mais là ouais, mais voilà, c'est... mais là on est en train de dériver là, c'est pas bien. Bon, oubliez le petit exercice qu'on vient de faire là, parce que là c'était un petit peu, c'était particulier là. Là, ce qui est important, et on va enlever ça, voilà, ça c'est moche, voilà, hop, on peut pas faire ça. Ce qui est important, c'est ça, pour comprendre que on peut absolument passer une struct en copie, ok, ça marche tout à fait, mais que c'est très contre-performant. Parce que tu copies les membres. Le film qui dit, moi c'est pas normal que les structs ont un traitement de faveur par rapport au tableau, c'est du racisme de type de variable, je suis d'accord. Moi, Et c'est pour ça que je me suis fait baiser hein, la dernière fois. Hein. Mais effectivement, les structs peuvent être parfaitement copiés, mais c'est absolument contre-performant. Ok. Est-ce que la liaison là... Entre le move où on copie une valeur et le LEA où on copie l'adresse de cette valeur, et là en l'occurrence c'est un pointeur et on modifie ce qui se trouve à cette adresse, est-ce que c'est un peu plus clair là? Finalement, on a vu aujourd'hui, je vais le réaffiché avec le hint. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que si on fait ça, c'est un move. Tartampion qui dit, si tu fais un tableau de struct, ça fera comme un tableau absolument. En fait, il y a une règle. Alors du coup, on la verra la prochaine fois. Mais il y a une règle très simple, extrêmement simple. C'est que de toute façon, dès que tu passes ce qu'on appelle un tableau, en réalité,
et l'adresse, premier élément d'une suite de bytes, dès que tu passes un tableau, en fait, tu passes un pointeur, tu passes une adresse. Le tableau est 100%, mais alors 100% une illusion, un mensonge. Les tableaux, s'il y avait un classement des plus gros mensonges, je pense qu'en numéro 1, ce serait le tableau. Le tableau est un énorme mensonge. Voilà. Et donc effectivement, quand tu passes un tableau, en fait, tu passes l'adresse du premier élément. C'est tout. Ok ? Donc, ce que je veux que vous reteniez d'aujourd'hui, c'est que quand on fait ça, en fait, quand on passe une valeur comme ça, on move dans RDI un truc. Ok, la valeur. Si on fait ça, alors on LEA dans RDI l'adresse de cette valeur. D'accord ? Absolument, Faléon. Funk de I, c'est move de la valeur. Funk de E de I, c'est copie de l'adresse pour pouvoir aller taper dedans dans la fonction destination. Alors, à Canoa, les strings n'existent absolument pas. Je veux pas. J'avais prévu de vous dire tellement de trucs, putain. Bon. Allez, non, je continue pas parce que sinon on est parti jusqu'à minuit. Mais est-ce que ça là, ce que je vous montre à l'écran, est-ce que ça c'est clair? Et à la limite, faites des tests, hein, parce que c'est bidon. Hein. Et oui, bah, attends, je vois le tweet de Léa, et c'est absolument ça. Le résumé des 2h08 qui viennent de s'écouler, c'est ça. Et je vous jure, hein, faire des petits exercices, des petits exemples avec trois lignes de C, c'est comme ça. Hein. Le finnois qui dit, est-ce que quelqu'un peut diluer Léa? On l'entend plus trop concentré. Voilà. Alors, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, si ça c'est très très clair dans l'esprit de tout le monde, c'est que bah, justement, on a joué avec des copies et avec donc ce que j'ai appelé des valeurs simples, dans le sens où il y en a une. Léa qui dit, en fait, j'ai toujours pas compris pourquoi les int car simple et struct simple ont le super pouvoir de copie. C'est pas ça. C'est pas qu'ils ont le super pouvoir de copie. C'est que lorsque tu passes en paramètre un tableau, de facto, tu es obligé de passer une adresse. Parce que il s'agit pas d'une valeur, il s'agit d'une suite de valeurs. Donc forcément, tu vas avoir des incréments, tu vas avoir des déplacements, etc. Et Frenchcraft, c'est pas uniquement le fait que ça tienne dans un registre. C'est que, par exemple, tu vois, une struct qui est plus longue qu'un registre, tu vas quand même avoir une copie. Mais c'est très très sous-optimal, en fait. Non, tu peux. Regarde. C'est l'exemple qu'on a fait là avec les 100A. Tout ça a été copié. Et vous avez vu, c'est extrêmement contre-performant. Vous avez vu le code assembleur associé, c'était dégueulasse. Alors Frenchcraft, tu l'avais peut-être pas vu là, mais regarde. Attention, hein, ça complique pas ça. Hein. Non, je sais plus si je... Tiens, le struct, voilà. Tac. Regarde ce que ça a donné, tu vois. Ça fait ça. Et c'est un bordel. Et effectivement, la struct ne tient pas dans le registre. Donc, il y a des copies infinies, machin. Enfin, c'est vraiment une saloperie. Bon. C'est pas mal ce qu'on a fait aujourd'hui.
On va y revenir. On va y revenir parce que c'est vraiment tellement la notion fondamentale que... Et ben oui, en fait, Léa, ce serait beaucoup plus simple de tout faire. Alors, ouais, passer funk de i tout le temps, franchement, oui, c'est absolument possible. Mais du coup, t'as pas tout le temps besoin d'avoir accès à l'adresse de la variable, tu vois, des i. Typiquement, c'est des trucs que tu envoies parce que tu es à un index particulier, tu veux starter là. Mais oui, tu pourrais parfaitement tout à fait faire ton programme intégralement avec des passages d'adresse, ça fonctionnerait parfaitement. Hein. Le Finnois qui dit non, c'est quelqu'un à un moment donné, tous, DMR, tous, qui a décidé si c'est un tableau, c'est par pointeur et c'est tout. Oui, c'est absolument ça. Hein. Il y a des choix arbitraires gravés dans le marbre et ouais, effectivement, bah voilà, si c'est un tableau, c'est un pointeur, fin d'histoire. Et ça se comprend. Ça se comprend. Akotime qui dit il aurait dû faire pareil avec les structs. Je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Fallon qui dit est-ce que ce serait moins bien pour la sécurité, de faire qu'avec des adresses. Franchement, ta question est bonne et la réponse est oui. Parce qu'il faut bien savoir que à partir du moment où tu passes des adresses, bah t'as accès à de la data originelle, quoi. Donc, alors que potentiellement, si tu passes, je sais pas moi, une chaîne de caractères, une chaîne de caractères, ça n'a pas marché. Mais une struct ou un int, en le copiant, donc avec un move, et que ce truc-là, bah, c'était finalement un index super important, etc., et que tu le modifies dans une fonction vulnérable, bah, ça n'aura pas d'impact. Ou peu. Exactement, elle se marie. Une connerie à un endroit, et paf. Comme le chien. Bon les petits amis, je vais descendre rejoindre Madame Coquille là parce que ça fait 2h15, je pense que je vais bien me faire engueuler. Bah voilà, exactement, fallait on comprend mieux les failles. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça a été utile. C'est pas fini, hein, on n'a pas fini sur le sujet, on va continuer à parler de ça. Et la semaine prochaine, on va parler des tableaux et de ce qui se passe en assembleur quand on passe un tableau. Ok ? Je vous fais des gros bisous à tous. Merci d'avoir été avec moi. Ceci était l'épisode 21 qui sera, lui, diffusé. De toute façon, il n'y a pas eu d'autre épisode 21, donc voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, merci de lâcher un like, un comment, un share. Comme vous le savez, Tarzan commence à s'énerver. Gros bisous et ciao.